Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais faire ma première vidéo à Saint-Paul-Trois-Châteaux où je suis en train de faire un peu une retraite. Voilà, donc je me permets de publier ce vidéo YouTube. Voilà, parce que, il y a, voilà, à Paris va s'ouvrir une très grande exposition d'art contemporain. C'est, je pense à l'exposition de Francis Bacon. Alors moi ça m'a tout de suite, quand j'ai eu la nouvelle, ça m'a tout de suite touchée. Pourquoi? Parce que en fait j'ai dans mon dernier ouvrage que j'avais écrit non publié, Le rêve d'Angelo, je parle de Francis Bacon et j'explique que toutes mes œuvres de type correspondances, livres, ou encore des œuvres d'art, des peintures, s'opposaient totalement à la démarche de Francis Bacon. Donc ça tombe bien qu'il y ait cette exposition parce que, bah justement, moi je suis une anti-Bacon. J'ai lu quelques ouvrages à son sujet, je viens de lire le hors-série qui vient de sortir de Télérama, et je me suis construite à l'opposé de cet artiste, mais il faut savoir que quand on crée, on a des patrons, des modèles. Et justement, quand on s'oppose à quelqu'un, il faut savoir pourquoi. Pourquoi on s'oppose à tel artiste. Donc, dans le cas de Bacon, c'est intéressant parce que moi, je m'oppose à lui parce que pour moi, il est l'enfant du négativisme. Il est l'enfant du nihilisme. Et moi, je suis pour un humanisme de l'art. C'est en cela que je le dénigre. Je le respecte, mais voilà, je le dénigre. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa vision de l'art. Nihiliste, chaotique et issue de la pensée nietzschéenne. Voilà. Donc, cette exposition tombe à pic. J'aimerais beaucoup aller la voir. Donc, je vais voir avec mes amis... parce que, voilà, en tant qu'écrivain, je reste quand même modeste. Je ne suis pas connue comme Francis Bacon, donc voilà, un peu de modestie aussi. Mais voilà, je suis anti-Bacon et j'ai mes raisons. Je peux le débattre dans un débat, pourquoi je le suis. Mais ça n'empêche pas que j'aimerais beaucoup voir cette exposition pour comprendre aussi ces démarches à lui qui s'opposent aux miennes. Voilà. Donc, si quelqu'un a vu l'exposition de Bacon, si quelqu'un veut aller la voir, etc., bah, ça m'intéresse. Voilà. Merci.